un communiste, vous retroussez les couettes de cheveux un peu. Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que mon copain était en lutte. Ben, tu sais, on a vécu, pas au tout début, là. Bon, les mouvements PCO et en lutte commençaient à être plus présents. Je pense que ça faisait un petit bout de temps que ça existait, mais à la clinique, ils ont commencé à être plus présents et ça divisait évidemment le personnel qui était engagé. C'était pas tout le monde à la clinique là, qui appartenait à des groupes, mais il y en avait une gang dans le PCO, puis une moindre gang, mais une petite gang quand même dans la lutte. Et moi, j'étais plus proche dans la lutte, j'ai trouvé moins sectaire que celle du PCO. Et aussi, j'avais une réticence. Pas juste à cause du sectarisme, mais à une sorte d'adhésion pleine et entière. Tu sais, je trouvais qu'il y avait là, oui, une voie plus radicale, parce qu'on était engoncé là dans des formes de social-démocratie un peu fatigantes. Déjà, avec le PQ, on commençait à vivre des tensions aussi un petit peu. C'était décevant, des bouts, bon. Etc. Alors, c'est clair qu'il y a une espèce d'aspiration à la pureté, hein, quand tu es jeune aussi, quand tu veux changer le monde, tu as l'impression d'abord que c'est toi qui vas changer le monde. C'est déjà une grosse erreur en partant, ça. Tu peux juste y contribuer bien modestement, là, mais que l'idéologie, c'est la plus parfaite, puis elle n'est pas contestable, puis bon, etc. Alors, ça, j'avais un petit peu de misère avec ça. Et l'autre, la contradiction par rapport à vos goûts indépendantistes que vous deviez avoir à l'époque, là. Comment vous la viviez, cette contradiction? J'ai toujours été indépendantiste, moi, mais j'avais de la misère avec la position, tu sais, l'égalité absolue des langues et des nations, puis était contre l'indépendance du Québec. Ouais. Au référendum de 80, là, il me semble que j'ai voté oui, mais la consigne, c'était l'abstention. Pour les militants. Ouais, ouais. La consigne, c'est l'abstention pour les militants. Et moi, j'étais très déchirée avec ça. Et ça a été très douloureux. Puis là, il me semble que j'ai voté oui. Je m'en souviens pas. Il faudrait que je pourrais retrouver ça. Mais parce que le soir, après, au niveau du résultat, je me dis, Colin, c'était une erreur monumentale d'avoir proposé cette position-là, tu vois. Et puis aussi, j'avais un malaise profond à savoir. Je lisais Solzhenitsyn à l'époque aussi, moi, puis pas juste Solzhenitsyn, mais les dissidents soviétiques. De savoir que les soviétiques avaient utilisé le Largatil, les neuroleptiques en général. Pour défaire la personnalité, dans le fond, des opposants, de leurs opposants politiques, je trouvais ça inacceptable. Ils en faisaient des légumes, tout près. Ah oui, ils en faisaient des légumes. Là. J'avais lu le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, le troisième siècle ou le dernier siècle, je ne me souviens plus. Là. C'est fort, ça, hein, comme contestation de ce que c'est que que l'idéologie communiste, stalinisme. D'ailleurs, Hannah Arendt a eu raison de mettre sur un pied d'égalité le nazisme et le stalinisme. Je sais qu'il ne fallait pas dire ça, surtout pas dire ça. Et dès que tu critiquais le communiste, c'était une agente de l'impérialisme américain. Là, hein? C'était une bipolarité totalement paralysante et d'être prise dans cette vision du monde-là, c'était difficile de voir clair aussi, d'être un peu lucide dans ça. C'est fort l'idéologie aussi, c'est fort l'adhésion à cette idée-là qu'il y a là une sorte de vérité universelle, hein, sans critique. Sans aspect critique. C'est pour ça que moi, j'ai adoré après ça lire Jorge Samprun, qui était un communiste espagnol, qui était dans les camps de concentration, qui en est sorti,
qui est devenu par la suite ministre de la Culture dans le gouvernement espagnol progressiste. Mais il explique comment le 1, qui est sorti d'ailleurs du Parti communiste, qu'il a quitté au moment de Khrouchtchev, là, quand Khrouchtchev est arrivé avec une sorte de perestroïka avant la deuxième. Il a quitté en faisant l'analyse que le 1, c'est toujours très dangereux. C'est de n'adhérer qu'à une seule idéologie, une seule idée, une seule façon de faire les choses, une seule gang, une seule... Il y a un danger réel de se perdre. De tomber en religion. Effectivement, une seule religion, hein? L'homme d'un seul livre. Un seul Dieu. Un seul. Alors, tu sais, une négation totale de la pluralité et surtout, une incapacité de maintenir un esprit critique. Ouais. Et là, la question, pour moi, du doute et de l'esprit critique a toujours été une source de... une pratique intellectuelle aussi, tu sais. De toujours remettre en question ce qui t'apparaisse des vérités absolues à un moment donné, tu sais, dans l'histoire. Et quand j'ai eu la chance de lire enfin Le refus global, on ne nous a jamais enseigné ça, hein? Non. Jamais. Ni à l'école normale, ni au secondaire, ni nulle part, ailleurs, du moins, dans mon époque à moi. Je l'ai découvert, là, j'avoue que je ne m'en souviens plus, en lisant, parce que je dévorais, moi, je voulais lire, si je m'abreuvais à toutes sortes de lectures. Et quand j'ai lu Le refus global, mon Dieu, prendre le risque aussi de vivre sans Dieu. Et pour moi, ça a été marquant dans mon parcours, parce que j'étais dans la JSC. Hein. Dans la JSC, tu as encore une croyance dans un seul Dieu, dans un catholicisme, mais progressiste, si on veut. Mais il y a toujours en arrière-fond cette espèce de conviction là, que tu es dans la bonne voie et que tu vas être récompensé plus tard, quelque part. Il y a des relents qui te restent de ce genre de croyances-là. Et là, moi, à un moment donné... j'ai mis un terme à ça. Et je me souviens très bien, c'est après d'ailleurs, c'était dans le secrétariat de l'AGEC nationale, sur la rue Sherbrooke, et puis l'aumônier, l'abbé Gravel, avait fait un discours qui est toujours intelligent, puis philosophique, puis tout ça. Puis moi, je suis sorti de là en me disant, je ne peux vivre avec une espèce de filet de sécurité artificielle. Prendre le risque de vivre sans Dieu, et ça a été une... pas nécessairement sans croyance, c'est sans adhésion à des idées ou à des comportements ou à des pratiques qui me paraissent les plus justes possibles, et à y investir beaucoup de temps, d'énergie, d'amour, etc. Mais plus des systèmes fermés de pensée. Donc, ça a été douloureux, mais en même temps, ça a été libérateur. Et ça m'a permis justement de sortir un peu de ça. J'avais lu aussi beaucoup Fernand Dumont qui avait écrit pour La conversion de la pensée chrétienne, qui était une critique à l'époque très radicale de où s'en allait l'Église catholique au Québec. Là, hein. Il y a des passages extraordinaires, Dumont. Et ça a toujours été pour moi aussi une source d'inspiration. Hein. Il dit, dans un de ses avant-derniers bouquins, « La condition humaine, c'est l'interrogation. » La condition humaine, c'est l'interrogation. Et on n'est pas mieux, croyant et en croyant, on est face à cette situation-là. On n'a pas de réponse toute faite, ni les uns ni les autres. Ah, ça ouvre des horizons aussi, ça. Et ouais. Si jamais, trois petits points. Tout d'un coup. Oui, tout d'un coup. Tu sais, les luttes sont longues hein, aussi, puis la vie des sociétés, c'est pas un long fleuve tranquille qui s'en va toujours dans la même bonne direction. Hein? Il y a des reculs majeurs.
Puis on n'est pas habitué, ben, pas on n'est pas habitué à ça. On pense que ça devrait aller toujours dans la même bonne direction, mais qui nous aurait dit, par exemple, qu'au Québec, on verrait naître des mouvements d'extrême droite, la Meute et compagnie? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ça sourdissait, là, ça. C'est-à-dire que c'était là, hein, dans les interstices de la société, puis, oups, à un moment donné, il y a des conditions qui font que... Qui aurait dit qu'au Brésil, après Lula, après d'abord toutes les luttes contre la dictature, les vies brisées, la torture, l'emprisonnement, tout ce que tu voudras, que après Lula, après Dilma, qu'on ait cet énergumène-là au pouvoir, qui est un représentant de l'armée, qui vient de l'armée, qui vient des... qui est homophobe, qui est anti-avortement, qui est anticlimatique, climato-sceptique. Puis il a dit ouvertement ben, qu'il ne voulait plus voir des militants du PT, il ne voulait plus en voir, il voulait les voir disparaître. C'est assez clair. Comme Hitler qui a dit on va faire disparaître les Juifs, tu sais. Puis ils n'ont pas cru, mais il l'a fait pareil. Moi, je le crois, là. J'ai des amies brésiliennes là, qui pensent se retourner à la clandestinité et qui voient des choses en train de tourner, là, tu sais. Là, un président d'un pays comme le Brésil qui dit ça, c'est la voie ouverte à tous ces petits dictateurs-là, là, ces petits potentats locaux et dans l'armée, les escadrons de la mort, les trafiquants de drogue, etc. C'est la voie ouverte à l'impunité totale. Hein? Les gens vont tuer, puis ils ne sont même pas jugés. L'installation d'une dictature comme ça, c'est des années après des faits délétères. Là. C'est terrible. Ça va être une génération de jeunes Brésiliens qui, au lieu de vivre ce que Lula leur avait permis d'espérer, hein, famille zéro, la fin zéro, on sort de ça, puis on bâtit une économie beaucoup plus participative, puis etc. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs, là, de fait, par les gens du PT, c'est évident aussi, puis par le gouvernement, puis il y a eu de la corruption, puis hélas, il y en a encore dans les rangs de la gauche, de toutes sortes mais on voit Sandiniste, là, au Nicaragua, tu sais, qu'Ortega fasse ça. J'ai une longue discussion avec un Nicaraguayen, là, qui est un militant aussi, mais qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait, mais qui explique très différemment le pourquoi il y a une telle répression de la part du gouvernement nicaraguayen, oui, à l'heure actuelle, tu sais. Parce que c'est une tentative de coup d'État par la droite nicaraguayenne, qui a été au pouvoir, d'ailleurs, un peu après les Sandinistes, aidée par les États-Unis. Les États-Unis aussi, ils veulent que la droite revienne au pouvoir, comme au Honduras, comme en Colombie. Dans le fond, tous les acquis qui ont pu avoir lieu, tu sais, soit au Salvador, soit au Nicaragua, où Honduras, ça a toujours été beaucoup plus difficile. Vous pouvez même ajouter les États-Unis. Mais, oui, je sais, je suis d'accord. T'sais, donc, il y a des reculs, il y a des reculs dans l'histoire, et il faut être, à mon avis, il y a une phrase, moi, le petit livre là, qu'on a travaillé avec Pascal, c'est « Qui sommes-nous pour être découragés? » Hein? C'est lui-là ici. « Sommes-nous pour être découragés? » En fait, je disais ça en parlant justement de la même type de conversation qu'on a ensemble, à deux niveaux. Justement, les luttes sont longues et il n'y a jamais définitivement d'acquis, en particulier pour certaines parties du monde, la population, les femmes par exemple. Il n'y a jamais rien d'acquis pour les femmes, jamais. Et on le voit là. Un droit qu'on pensait enfin avoir installé, le droit à l'avortement, bien, ça revient dans le paysage parce qu'avec la droite, remonte tout ça. Puis on va voir bientôt, vous allez voir, l'enfermement en psychiatrie. Ça va revenir. On s'est battu contre ça, là. Hein? Ça va revenir. Donc, les luttes sont longues, mais... Et on a tendance à dire, oh, bof,
à quoi ça sert d'aller manifester, à quoi ça sert de faire une action, même de désobéissance civile, tu sais. Qu'est-ce que ça donne? On revient au qu'est-ce que ça donne du bon Deschamps. Bon, les luttes sont longues, les résultats sont jamais acquis. On peut jamais non plus, de notre vivant, peut-être voir un résultat. S'il avait fallu que les Noirs arrêtent de lutter au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, hein? Ils sont encore en esclavage, là. Puis, l'esclavage revient dans certains coins du monde. Et c'est Fitzgerald qui dit une phrase extraordinaire, reprise beaucoup par Jorge Sampron, que moi j'aime beaucoup. Il dit « Il faut être convaincu que les choses sont sans espoir, mais être déterminé à les changer quand même. » C'est-à-dire être pénétré d'une forme de lucidité. Par exemple, si on avait vécu à l'époque du nazisme, là, quand les chemises brunes étaient partout, puis on aurait été qui, nous, et on aurait fait quoi dans ce contexte-là? Les choses étaient désespérées. Hein? Pourtant, il y a des petits îlots, la Croix-Blanche, là, le petit groupe de la Croix-Blanche, des jeunes qui ont osé, ils l'ont payé au prix de leur vie, mais ils ont osé résister. T'sais? Même chose en France, lors de l'occupation, tu as une grande partie de la population française qui est restée dans une espèce d'apathie. Occuper un pays, ça produit. Ça produit pas juste de la résistance, hein, ça produit de l'apathie aussi, puis on s'adapte à la situation, puis on collabore, puis bon, etc. La sécurité politique. La sécurité, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux? On n'a qu'une vie à vivre, hein? On veut pour protéger ses enfants, hein? Plus qu'en temps, là, c'est difficile, tu ne prends pas trop de risques, etc. Mais il y en a qui ont trouvé le moyen de résister. Et c'est la même chose. Cette idée-là que les choses peuvent être décourageantes, etc., mais qu'il faut quand même être décidé à les changer. Teilhard de Chardin, depuis un autre univers, disait « Nous ne serons pas définitivement tristes. Nous ne serons pas définitivement tristes. » C'est beau, je trouve. C'est la première fois qu'une personne progressiste dans le cadre de cette série-là nous cite Teilhard de Chardin. Ben, j'ai beaucoup aimé Teilhard de Chardin, qui nous ouvrait quand même, hein, sur l'univers. Là. C'était fantastique, en tout cas. J'allais dire, là, on n'a pas besoin de voir toujours le résultat final d'une lutte pour y participer, t'sais, ou pour continuer d'y participer. Parce que quand on veut changer la vie, quand on veut changer pas juste les structures ou de partis politiques ou de gouvernements, quand on veut changer plus profondément des orientations, des grandes tendances de fond de nos sociétés, nous, on a toujours vécu en système capitaliste ou néolibéral, où les inégalités, ça va de soi. Alors, c'est très difficile de sortir de ça aussi. Hein? Il y a un quotidien qui n'est pas de l'ordre d'aller au Salvador, où là, c'est tellement évident de choisir, hein, d'être avec la guérilla ou d'être avec le gouvernement ou de rien faire. Là. Les choses semblent claires, tu sais. Tandis que quand tu es dans le quotidien, c'est pour ça que Jorge Sampron dit que la posture de la résistance, elle vaut quand on est dans des luttes contre des fascismes, contre des dictatures, mais elle vaut aussi contre les facilités du quotidien et les dérives de nos démocraties, les dérives quotidiennes des démocraties. Et ça, je trouve ça interpellant parce que nous, on est dans ça, hein? On est dans les dérives de la démocratie à l'heure actuelle, par des gouvernements, par des mouvements, etc., qui la remettent en cause, qui s'en foutent, le droit n'a plus tellement d'importance, le droit international d'Israël, par exemple, qui s'auto-définit comme la seule démocratie de cette partie du monde-là, hein, se fout carrément du droit international. Il le viole de façon constante depuis 60 ans et plus. Ça a toujours marché. Ils ont jamais eu de conséquences. Sans impunité. Une impunité totale. Ouais. Alors,
quelle leçon de démocratie on a à donner au monde, hein, aux autres. Alors, je pense que les militants, en tout cas, moi, c'est un mot que j'aime bien. Des fois oui, des fois non. C'est-à-dire, quand on tombe aussi dans des formes de sectarisme, d'isolement dans notre seul corridor, tu sais, par exemple, je sais pas, c'est le logement qui est la lutte principale, c'est la santé mentale qui est la lutte principale, c'est... Il y a quelque chose, à mon avis, qu'on rate en faisant ça, là, tu sais, en pensant que... Comme à l'époque, on pensait que c'était la classe ouvrière qui allait nous sauver, hein, qui allait sauver l'humanité, pas juste nous, comme société, pas comme classe sociale, mais l'humanité au complet. Ben, Carole Saint-Hilaire, dans un de ses livres extraordinaires, a dit... faut sortir de la nostalgie des grands récits. La nostalgie des grands récits. Puis on est une génération qui a pu participer à ces grands récits-là. Tu sais, que ça a été par des groupes marxistes-léninistes ou même la social-démocratie revisitée, puis très, très proactive, etc. On a beaucoup cru qu'en poussant sur... qu'avec l'aide en particulier du monde syndical, du monde ouvrier, qu'on allait transformer les choses tout seul ou à peu près, tu sais. on est encore tributaire. On a cette... Alors, c'était le monde ouvrier, et après ça, ça a été les femmes, après le tiers-monde. On a pensé que le tiers-monde allait faire ça, que tous les pauvres de la planète allaient se révolter, puis ça allait changer les rapports de force. Après ça, les femmes. Là, c'est les autochtones, les jeunes. Tu sais, il y a toujours cette idée-là du « un », alors que... les luttes sont multiples, disait Domitila de Chengara, qui est une Guatémaltèque, qui a eu le Rigoberta Menchú, le prix Nobel de la paix, c'est ça. Elle dit les luttes, il y a des millions de petites luttes dans le monde, il n'y en a pas une seule, tu sais, qui. Faut que t'avances comme ça. Exactement, c'est beau, ça, faut que t'avances comme ça. Donc, ça suppose des alliances, ça suppose des reconnaissances mutuelles entre nous, de la contribution qu'on peut apporter, tu sais, au moment où tu es dans une lutte et au moment où toi-même, comme individu, tu as à vivre, tu sais. De sorte que même si la victoire n'est pas au bout de la manif de demain matin, là, de celle de vendredi qui s'en vient avec les jeunes, il faut y être, tu sais. Juste d'avoir participé à ça, j'avais amené mon petit-fils de 9 ans, là, parce que la commission scolaire de Montréal a eu la bonne idée de transformer ça en journée pédagogique, de sorte qu'au lieu d'aller au service de garde, il va venir à manif. Très heureux de vous rencontrer. Merci. Je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Merci pour vos séries d'entrevues sur le monde.